Cette vidéo rentre dans le cadre d'une suite courte au pas de l'ultime vidéo. Car le format est que nous tapons ici, les infos viennent, elles viennent. Il n'y a donc pas de quantité de minutes fixées à l'avance. Ceci dit, si vous voulez sauter des vidéos, vous pouvez. Cependant, ce ne sont pas des informations qui sont destinées à vous faire tourner en rond, si c'est ce que vous pensez, mais des infos pouvant vous aider à identifier qui est qui ou quoi. Donc, dans la vidéo précédente, nous parlions surtout des zombies, portails organiques et des psychopathes de la même catégorie, ou ceux humains, peu importe. Nous vous disions que le portail organique est légal dans ce monde, car ils sont issus d'une matrice humaine, ce qui n'est pas le cas des robots et des zombies. Ceci dit, il existe d'autres éléments pouvant vous aider à les identifier et les différencier les uns des autres, certains à l'œil nu et d'autres non, pour des raisons évidentes une fois de plus qui seront expliquées. Alors le portail organique, généralement, n'est qu'une personne ne se souciant que de sa survie et de ses besoins vitaux. Si vous avez une âme et que vous commencez à étudier le concept de l'âme, alors il vous est plus facile d'attribuer des qualités à qui est qui et quoi. Si par exemple, il y a accident de voiture et que la personne en question ne pense qu'à son ventre, celle-ci est probablement un portail organique et pas que. Si cet état correspond à celui état normal de l'individu, c'est-à-dire que celui-ci ne se trouve pas en détresse et qu'il agit ainsi normalement, le type en question est probablement un portail organique. Comment distinguer un portail organique d'un robot, d'un zombie? Le portail organique, comme dit, est un être légal dans ce monde, en ce sens que c'est la voie légale pour eux afin d'acquérir une âme intégrale. Donc celui-ci n'a pas forcément beaucoup de problèmes à vivre au sein de l'environnement terrestre, car il est issu d'une matrice humaine, contrairement aux robots et aux zombies, qui peuvent présenter des défauts de fabrication par rapport à l'environnement terrestre. Ceci signifie quoi? Le portail organique possède à peu près les mêmes besoins de survie que l'homme, c'est-à-dire bouffer, etc. Ce qu'un portail organique ne sera peut-être pas en mesure de faire concerne certaines pratiques spirituelles, telles que le jeûne. Car en parlant de ces sujets, on parle vraiment des gammes de vecteurs de choix d'une âme. Une personne avec une âme est beaucoup plus complexe qu'un portail organique. Mais nous n'en sommes pas sûrs à 100%. Le robot et le zombie n'ont pas, par exemple, nécessairement besoin de manger, et c'est là où le truc coince. Car le robot et le zombie correspondent à des créations externes. Donc ceux-ci peuvent être conçus afin de ne pas avoir des problèmes par rapport à la nécessité de consommation ou de sommeil. Ils peuvent feindre de faire cela via le programme inséré en eux sans pour autant en avoir besoin. Mais voilà le hic. Une personne avec une âme peut s'entraîner de telle façon afin que les éléments mentionnés n'impliquent qu'une contrainte infime au sein de leur vie. Donc, si vous avez des voisins qui parlent toute la journée et que ce sont des fauteurs de troubles et qu'ils ne semblent jamais dormir, ce sont probablement des robots. Outre cela, nous disions que le zombie, par rapport au portail organique, correspond à une vie secondaire et non primaire. En ce sens que le zombie, le cas du zombie s'applique pour ce qui est d'un second souffle de la biologie, une biologie morte qui se trouvait en cessation de motion durant une certaine durée de temps. Vous pouvez toujours monter sur le net et rechercher les éléments montrant qu'une personne est morte. Concernant les zombies, les critères peuvent préalablement avoir été vérifiés et appliqués dans leur cas, et tout d'un coup, la biologie reprend motion. Dans ce cas-ci, vous ne le sauriez pas de toute façon, car soit la personne n'est pas vraiment connue, ou bien que la mort de celle-ci n'a jamais été déclarée à l'État, et certaines fois avec la connaissance et même sans la connaissance de cette institution. Car les êtres procédant à ces opérations ne sont pas stupides. Ils suivent probablement des protocoles visant à diminuer la découverte de leur stratagème et de la réanimation de telles personnes. Le zombie correspond à une série d'activités de fréquence afin de réanimer un corps sans âme ou sans esprit et qui se trouve donc opéré à distance via la conscience d'une âme ou d'un ordinateur se trouvant une fois de plus à distance de la dite biologie. C'est cela la vraie définition du zombie, quelque chose que nous n'avons pas précisé lors de la première vidéo. Le robot, par contre, correspond à une vie primaire, en ce sens que celui-ci est conçu ainsi et vit, mais sans avoir une âme. La différence avec le zombie est que celui-ci, au moment de sa formation, ne correspond pas à une seconde vie, à un second souffle, si vous comprenez,
Mais bon, il est aussi possible de réanimer le robot. Donc voyez comme c'est mélangeant, bien qu'il y a des distinctions. Les robots n'ont pas de lignée généalogique pour des raisons évidentes. Le zombie, autrement, peut faire usage de la lignée généalogique de l'âme originale ou de l'esprit original du dit portail organique dans ce cas-ci, afin de se créer une identité fictive depuis où il se trouve opéré, car ressemblant en tout point avec la victime décédée à l'insu de la famille et des proches. Ici, comprenez que la mort n'a pas été déclarée. Plus que cela, elle n'a même pas été observée. C'est pourquoi nous disions ceci au début de la vidéo. Certains à l'œil nu et d'autres non, pour des raisons évidentes, une fois de plus, qui seront expliquées. Concernant le zombie, les critères peuvent préalablement avoir été vérifiés et appliqués dans leur cas, et tout d'un coup, la biologie reprend motion. Donc, dans ce cas-ci, vous n'aurez pas la chance de l'observer à l'œil nu. Vous pouvez voir cela via une vision, mais c'est impossible de voir cela à l'œil nu, car les agents qui font cela le font expressément lorsque personne ne se trouve à côté de la biologie morte. L'androïde, pour sa part, est un mi-humain, mi-robot qui a reçu une mutation au cours de son existence. C'est-à-dire que vous pouvez voir des athlètes actuellement qui sont nés humains, portail organique ou pas, et qui ont reçu des parts robotiques et qui sont devenus au cours de leur vie, sont passés d'un stage Homo sapiens sapiens à Homo androïde sous couverture Homo sapiens sans être passés par la morgue. Et lors de la vidéo La civilisation invisible, nous disions que certaines fois, les gens qui passent par l'aéroport au sein des supermarchés sont des robots qui ont du fer au sein même de leurs organes et que le truc émet un bip pour cela. Nous disons également qu'il existe autre chose plus dangereuse que le fer, mais que celui-ci est mis en mode d'emploi officiel pour les gens au sein du gouvernement afin d'identifier de possibles formes de vie extra-humaines se trouvant sur Terre ou des humains qui sont par robotique, des androïdes. Pourquoi donc? Car c'est ainsi qu'ils sont constitués habituellement. Donc lorsque nous vous disons que l'apocalypse se déroule dans un environnement calme et paisible, ce n'est pas pour rien. La question est, êtes-vous en mesure de distinguer des hommes des non-hommes? Laissez-moi vous poser une question. À quoi cela sert de connaître tout cela, les trucs spirituels que nous connaissons, si nous ne pouvons pas distinguer un homme d'un envahisseur entre parenthèses? À quoi cela sert de connaître tout cela, les trucs spirituels que nous connaissons, si nous ne pouvons pas distinguer un homme d'un envahisseur entre parenthèses? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La question est, ai-je rencontré de tels êtres au cours de ma vie, de mon existence, plus important? De tels êtres se dissimulant et se faisant passer pour des hommes sont-ils en ce moment même au sein de mon environnement? Voilà le hic. Certaines choses sont compliquées, mais pas toujours. Qu'est-ce qu'une information et qu'est-ce que cela a à voir avec le sujet? Une information reçue est simplement un réseau de données de champ environnemental en complémentarité avec votre fréquence. Toutes les informations que vous recevez donc font partie de votre environnement. Si vous comprenez, en regardant la dite vidéo, c'est que vous avez une fréquence adéquate par rapport aux infos transmises dans cette vidéo, car une information n'est pas que environnementale. En fait, ça l'est, mais c'est plus que cela. Une information constitue aussi une vérité environnementale au sein de votre environnement, que vous le sachiez ou pas. Donc, afin de répondre à la question, c'est une mauvaise question. Il existe probablement de tels êtres au sein de votre environnement. La question la plus judicieuse et qui se trouve dans mon environnement, qui correspond à de telles formes de vie si diversifiées, mais que classifiées et catégorisées par vous, à votre insu, que comme Homo sapiens sapiens. La question la plus judicieuse est qui se trouve dans mon environnement, qui correspond à de telles formes de vie si diversifiées, mais que classifiées et catégorisées par vous, à votre insu, que comme Homo sapiens sapiens. Dans notre cas, c'est évident. Sinon, nous ne serions pas en connaissance de tous ces détails. En fait, si vous vous posez la question, c'est déjà un avertissement de votre âme. Le questionnement de la présence d'un danger est déjà le fait que votre âme vous prévient qu'une telle situation est possible. Ne prenez pas cela à la légère. Le truc est que cela n'est pas aussi facile que cela semble l'être. Nous allons vous étonner. Nous vivons dans un monde où le taux de divorce est de l'ordre de 80%. Qui supposez-vous qui initie ce processus? Majoritairement les gens avec des âmes. En fait, ceux n'ayant pas d'âme ou les portails organiques sont plus à même de rester au sein du couple
afin de sucer sec le compagnon. La vérité est que si j'avais reposé cette question sans mentionner les facteurs et les détails, la plupart des gens avec âme auraient attribué la cause du divorce au portail organique, bien que ce ne soit pas le cas. N'oubliez pas que les portails organiques ne sont pas forcément mauvais. Au contraire, ils font office d'individus exemplaires de la société. Les fauteurs de troubles au sein de la société sont majoritairement des gens comme vous et moi, pas des portails organiques. Même s'il est vrai que la mauvaise version du portail organique correspond à un psychopathe. Donc les gens passant par des crises, etc., ce sont majoritairement des âmes en détresse. Vient ensuite la question, pourquoi une âme passe-t-elle par une étape de crise? Ne pas faire sa mission de vie, par exemple, devoir sortir de la zone de turbulence, du passage de la vallée de l'ombre de la mort. La vérité est que nous avons différents cycles de vie. Ces crises viennent du fait qu'un élément de la mission de vie n'a pas été effectué à temps, au moment opportun. Ces trucs arrivent lorsque les âmes démontrent des signes d'anxiété externe. Pourquoi la personne agit-elle ainsi? Voilà notre réponse. Pour ce qui est du passage de la vallée de l'ombre de la mort, c'est autre chose. Cela peut correspondre à une étape obligatoire pour les âmes étant conscientes, car elles ne le sont pas toutes à 100% pour ce qui est des détails décrits ici. Dans mon cas, j'étais dans le chaud, mais cela ne paraissait pas extérieurement. Je n'ai pas manifesté de signes de trouble. Donc, à moins de dire cela, les gens ne l'auraient pas su. Ma famille, par exemple, ne le sait pas. Mais si, on le sait car c'est mental et via les vidéos. Les âmes immatures ont tendance à s'autodétruire et peuvent amener avec elles d'autres gens, les précipiter lors de leur autodestruction. Maintenant, écoutez ceci. Une âme en détresse, vivant dans votre environnement, peut être mise en usage afin de vous faire couler. Si vous vivez dans un environnement semblable, lorsque celle-ci émet la fréquence nécessaire et nuisible afin de créer les conditions de passage de votre zone de turbulence. Dans mon cas, j'ai comme été isolé par une force invisible à vivre et résoudre les troubles de zone de turbulence dans cet environnement. Il faut préciser que l'âme en question n'a probablement pas fait ce qu'elle devait faire afin de ne pas vivre sa propre tribulation. Dans un tel cas, une âme peut régresser. Nous n'avions pas aussi le niveau de conscience nécessaire afin de faire face à un tel danger. C'est pourquoi cela s'est produit. Voilà l'importance de la conscience. Donc, les portails organiques, que vous le sachiez ou pas, sont originellement elles-mêmes des gens avec des âmes qui ont vendu leurs âmes, qui ont commis l'iniquité contre laquelle le pardon n'existe pas. Souvenez-vous, dans les écrits, il est fait mention de l'iniquité impardonnable contre laquelle le pardon n'existe pas. Eh bien, cette iniquité est de pécher contre sa propre âme, en reniant les qualités divines de celle-ci, en faisant tout le contraire qui mène contre la progression de celle-ci. C'est cela l'iniquité dont il est fait mention. Voilà donc le mystère. Une personne qui perd son âme régresse depuis la densité 1, la densité la plus faible, qui soit un niveau de conscience où son âme n'est plus intégrale. Cependant, rien meurt, car cette force est redirigée depuis les premiers échelons du développement de l'âme. Il se trouve alors dans un processus de retrouver cette âme. Et le processus légal passe par le cas du portail organique, où ceux-ci sont en interaction avec les gens ayant une âme. Ceci dit, le concept de portail organique ne peut exister que dans les mondes de nature, de services d'orientation négative comme la nôtre, et pas ceux d'orientation positive. Il existe aussi d'autres mystères. Nous vous avions dit que la partie primaire ou secondaire du portail organique est le fait que ceux-ci ont fait usage comme moyen de passage de portail entre la densité 2 et 3, soit de la faune au royaume humain. Ceci dit, qu'est-ce qui fait que certains portails organiques soient psychopathes et d'autres non? Si les portails organiques correspondent anciennement au royaume de la faune, cela signifie qu'au cours de cycles passés, ceux-ci ont fait office de l'habitat de certains animaux. Eh bien, c'est visible. Puisque certains animaux sont plus dociles que d'autres, un lion par exemple a plus de chances de faire office de psychopathe si le dernier passe du monde animal à celui humain, n'est-ce pas? Eh bien voilà où intervient le sujet d'esprit animal et de groupe sanguin, comportement angélique, car nous vous disons que les anges sont faits de part animale. Certains anges ont des visages de lion, d'autres de reptile. Voici le mystère. Si une personne a réincarné de nombreuses fois, dans un cycle précédent au sein d'animaux faisant office de prédateurs, que pensez-vous qu'il adviendra de ce portail organique, un renouveau humain, depuis l'ancien cycle? Ne pensez-vous pas qu'il fera également office d'homme prédateur, c'est-à-dire un psychopathe? Eh bien, voilà notre réponse. Si une personne a réincarné de nombreuses fois dans un cycle précédent au sein d'animaux faisant office de prédateurs,
Que pensez-vous qu'il adviendra de ce portail organique, un renouveau humain depuis l'ancien cycle? Ne pensez-vous pas qu'il fera également office d'homme prédateur, c'est-à-dire un psychopathe? Comment reconnaître une personne, une âme originale n'étant plus de la biologie? C'est simple. Dans le cas des Warp N, il est dit qu'il existe une période d'adaptation pour la nouvelle âme au sein du corps. Le Warp N peut oublier, mais dit ne pas savoir ce qui s'est passé, se rappeler avec détail les mois les plus récents de la victime au sein de la biologie. Généralement, il est établi que le Warp N possède les informations de base concernant l'individu, mais pas tous les détails. Si vous êtes vigilant et attentif, celui-ci fera preuve de trous de mémoire assez troublants, et ce selon le point de vue des gens avec qui ils sont en interaction. Encore plus, si le silence qui suit est étrange, alors c'est un autre signe. Il n'existe aucune raison d'être mal à l'aise par rapport à un oubli, un trou de mémoire, à moins que la nouvelle âme occupant le corps sait qu'elle est épiée. Et avec raison, car j'écoute tous les détails. Les infos de ces vidéos proviennent de ce genre de détails de toute façon. Prenez le film Venom par exemple. Voilà un cas de Warp N typique. Lorsqu'il est lui, il mange normalement. Et lors du switch, l'appétit est insatiable. Autre point, le Warp N n'a pas toujours à être lié avec la mort. Deux âmes peuvent cohabiter dans le même corps. Attention, pas deux esprits, pas une âme avec un esprit. Deux âmes peuvent habiter mutuellement dans un même corps. L'individu peut par exemple ne pas se souvenir de certains éléments qui étaient clairs comme l'eau de roche pour l'autre individu habitant généralement le corps. Le Warp N a aussi des envies alimentaires différentes de l'ancienne personne. Si vous combinez les trous de mémoire avec tous ces changements et surtout que la personne a changé, que vous recevez des ondes de fréquence étranges émises par celle-ci, il y a de fortes chances que quelque chose de grave se soit produit avec celle-ci. Ça, ce sont les changements à l'œil nu. Et même à cela entre parenthèses, car le lambda ne sera pas en mesure de les lister, de les identifier, car lorsqu'on dit à l'œil nu, c'est aussi entre parenthèses, car certaines personnes ne sont pas en mesure de voir cela. En fait, c'est aussi le cas de trous de mémoire qui peut vous permettre d'identifier le zombie. En fait, à quoi cela sert tout cela? Rien vraiment, car la plupart des gens, même ceux avec des âmes, n'y croiraient pas. Il est toujours plus facile de juger un environnement extérieur au sien. Là où c'est important, c'est pour vous et votre progression. N'est-ce pas important de savoir ce qui se trouve dans votre environnement? Comme dit, c'est à vous de vous sauver. Vous devez savoir filtrer votre environnement.